Could we fall in love, make some memories? I can't stand the time you're away from me. I'm dying to be close to you, 'cause you play on my mind. All of this could disappear, and I don't wanna waste it. Hello, hello, je vous retrouve en ce lundi 11 pour un nouveau Reading Journal, une nouvelle semaine de lecture. Je vais vous présenter un petit peu la pile à lire de la semaine et après je pense que je vais aller me poser au parc pour lire au calme, tranquillou. Donc cette semaine, j'ai envie de lire Cœurs et âmes de Colleen Hoover, publié chez Hugo, livre qui était dans ma pile à lire de la semaine dernière que j'ai pas eu le temps de lire du tout. J'ai commencé I Will Not Love You de Alana Scott, collection et H. Donc ici on suit Jenny qui a eu un accident de voiture. Suite à ça, elle a subi une amputation, elle se retrouve sur un campus et voilà, j'en sais pas plus pour le moment. Je l'écoute en audio, je vous montre un papier mais je l'écoute en audio et voilà, pour le moment j'en suis vraiment au tout début mais j'ai hâte de revenir vous en parler. Pour la suite, du coup, cette semaine, j'aimerais lire Save Your Tears de Lisa Sozzi que j'ai reçu en service presse. J'ai vu déjà de très très bons retours. Apparemment, ça a l'air d'être une lecture beaucoup plus forte qu'il n'y paraît, avec des sujets très très intenses. Donc j'ai hâte de voir quels sont ces sujets et surtout découvrir la plume de cette autrice que je ne connais pas. Je vais continuer d'avancer dans Nevernight avec la lecture commune qui devrait se terminer, je pense, dans la semaine. Il reste combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. Ouais, elle se termine dans 6 jours. Donc, je vais me poser avec celui-ci justement au parc pour avancer, découvrir la partie du jour et voir ce que nous réserve J. Christophe. Ensuite, je pense lire le graphique que je n'ai pas lu la semaine dernière, qui est Les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret, publié collection Métamorphose. Voilà, voilà, du coup, pour la pile à lire. Hier soir, j'ai lu le tome 10 de Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi, qui était une très 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 chouette lecture. C'est un manga que j'aime beaucoup, mais là je l'ai lu et je l'ai vécu d'une façon totalement différente. Qu'est-ce que j'entends par là? Je regarde avec Gauthier l'animé qu'il y a sur Crunchyroll et disons que ce que j'ai lu, je l'ai déjà vu en animé. Les autres tomes, je les avais découverts avant de découvrir l'animé. Et cette fois-ci, c'est totalement l'inverse, ce qui fait que je savais tout ce qui allait se passer. Je savais comment ça allait se dérouler. Ça ne m'a pas gâché l'histoire, mais je l'ai vécu totalement différemment. On sent que l'histoire devient beaucoup plus intense. On a le côté shonen qui est un peu plus présent dans ce tome 10. J'aime toujours la cohésion d'équipe, la morale, l'humour, l'énergie qui s'y dégage de cette histoire qui est vraiment topissime. Pour ceux qui ne connaissent pas, Iruma, c'est un petit garçon qui a été vendu par ses parents à un démon qui rêvait de devenir grand-père. Donc il va l'emmener à Babils, dans le monde des démons, et il va faire passer Iruma pour son petit-fils. Iruma va intégrer une école de démons, mais attention, il ne faut absolument pas qu'on découvre que c'est un humain, sinon sa vie risquerait d'être en péril. Voilà pour le petit pitch bien résumé. C'est vraiment un chouette manga. Il est conseillé à partir de 11 ans et plus. Moi j'ai mon frère qui a 12 ans, qui les adore. D'ailleurs il attend absolument que je lui prête ce tome 10. Donc maintenant que je l'ai lu, je pourrais lui passer la suite. Et puis moi j'ai hâte de pouvoir me procurer le tome 11, 12, 13. Et il me semble que le 14 sort ce mois de juillet, mais je sais plus à quelle date. Donc il faut absolument que je rattrape l'anime. Voilà pour ce qu'il en est des lectures, je vous laisse ici pour aujourd'hui et puis moi je vais commencer à dévorer un petit peu tout ça, surtout que là je viens de terminer de monter le vlog de la semaine dernière pour vous.
Et voilà. You've been taking every part of me. Now you know where to be found. You got me confused, a little off balance. Thought I knew you, but you got bad habits. I only see blue when I'm thinking about you. Thinking about you. I'm feeling anxious and slowly breaking. Give you my heart, but you keep my Hello, je vous retrouve en ce mercredi, 13 juillet, un petit peu tard, il est 23h, début de semaine bien rempli. J'ai passé une super journée, une journée qui m'a demandé beaucoup d'efforts, mais finalement je suis hyper contente du résultat. Donc hier j'ai très peu lu. D'où le fait de pourquoi je suis pas venue vous parler un petit peu en vlog, j'arrivais pas à me concentrer. Puis j'ai reçu mon kit pour me faire du semi-permanent. Comme ça m'évite d'aller à l'esthéticienne et de dépenser 25€ par-ci, 25€ par-là. Là j'aurai mon kit, ça m'a à peu près coûté 50€ et j'ai à peu près tout ce qu'il me faut dedans. Et au pire c'est simplement des couleurs de vernis qu'il faudra que je rachète. Donc là je suis assez contente, mais je trouve que j'ai mal posé mon vernis, il y a des petits défauts, mais c'était la première fois que je me le faisais toute seule. Donc on verra combien de temps ça tient, puis si jamais bah, je le referai, ça m'entraînera pour faire la dépose et tout. Mais voilà, je suis très contente, donc j'ai fait les mains et les pieds. Ensuite, hier soir, soirée tranquillou en fait, j'avais vraiment pas du tout la tête à me plonger dans les lectures, impossible de me concentrer. Donc je me suis un petit peu rattrapée aujourd'hui, mais un petit peu. Parce que ce matin on avait la livraison du plan de travail pour la cuisine pour remplacer que celui mon beau-père nous a cassé. On en avait reçu un il y a une semaine, sauf que celui qui nous avait livré était abîmé. Donc ils nous l'ont remplacé aujourd'hui pour qu'on puisse s'en occuper. Et normalement mon beau-père devrait passer dans le week-end pour nous refaire les découpes. Et puis on devrait installer tout ça. Donc je ne sais pas encore trop comment va se profiler la fin de semaine, mais bien chargé. Ensuite, un petit peu de ménage, le petit quotidien, pour être honnête. Et puis, je suis les petites recommandations de mon médecin. Ça n'a pas été facile, mais je suis assez contente de moi. J'ai pris le vélo et je suis allée me balader quasiment toute l'après-midi en vélo.
Je me suis retrouvée le long des berges de l'Isère, direction Grenoble. Je suis pas allée jusqu'à Grenoble, mais je me suis quand même posée et je me suis mise au bord de l'eau. Enfin, au bord, pas trop près non plus, parce qu'en fait, il y a des endroits où on peut pas trop descendre parce que avec les activités des centrales, il y a des montées et des baisses d'eau assez régulières et ils conseillent de pas trop être trop proche. Mais je me suis mis à un petit coin assez sympa pour être confort et lire un peu Nevernight de J. Christophe. Alors, ma lecture de Nevernight se passe bien. J'ai pas encore lu la partie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, j'ai rattrapé la partie d'hier. Donc là, ce soir, je vais rattraper un petit peu la partie d'aujourd'hui. Et puis, j'espère arriver à bien me concentrer et apprécier cette lecture. Je vous avoue que je suis un peu moins à fond que pour les deux premiers tomes. Je trouve que ce tome-ci va peut-être un peu trop vite sur certains événements. Je sais pas, je suis un peu moins captivée. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Normalement, on termine la lecture commune cette semaine. Donc, je devrais très très vite vous en reparler. Ensuite, j'avance dans ma lecture audio de... Je ne sais plus le titre de Alana Scott. C'est pareil, j'ai bientôt fini ma lecture audio parce qu'elle m'a accompagnée pendant ma balade en vélo, donc je vous en reparlerai aussi. Pendant que j'étais en balade, Gauthier a reçu deux livres qu'il m'a offerts. Mon anniversaire approche et puis étant donné que bah en ce moment c'est vrai que je peux pas trop m'acheter de livres, j'ai un chéri génial qui m'en offre et puis comme mon anniversaire est là, bah il en profite pour me gâter. J'ai beaucoup beaucoup de chance de ce côté-là avec un chéri vraiment génial. Donc il m'a offert une suite de saga que je cherchais au printemps et que je voulais absolument. C'est The Heart of Betrayal, qui est le tome 2 de The Remnant Chronicle de Mary Hipperson. Je me souviens plus exactement du résumé du tome 1. Faut que je me remette le tome 1 en mémoire, mais je me rappelle que j'avais adoré. Donc j'ai hâte de plonger dans ce tome 2 et de retrouver la princesse Lia. Je pense que je le lirai assez rapidement. Je vais le greffer à ma pile à lire de l'été. Et Ascension, tenez-vous bien. Je voulais me le prendre au mois de juin, mais j'avais pas pu. Mon chéri m'a fait la surprise avec le tome 14 de Princesse Sarah de Olwett Moretti et Palais Scandolo. Donc c'est le dernier tome de la saga. Pour les nouveaux sur la chaîne, vous savez peut-être pas, mais Princesse Sarah, c'est une de mes bandes dessinées préférées. J'adore l'histoire, j'adore le graphisme, j'adore la façon dont Audrey Olwett et Nora Moretti se sont appropriés les personnages et les ont fait évoluer dans un monde un petit peu steampunk. J'adore la bonté, la bienveillance, les graphismes, la douceur, les couleurs, je suis totalement fan. Il y a une période l'année dernière, si je dis pas de bêtises, où j'enchaînais vraiment tous les tomes, mais vraiment j'avais rattrapé tout mon retard sur la bande dessinée quand je l'ai découverte et donc j'avais très très hâte de pouvoir terminer cette saga et je pense que celle-ci va pas traîner dans ma pile à lire. Voilà pour ce qu'il en est de mes petites réceptions. Ensuite, ce soir avec un copain, on est allé au cinéma, on allait voir Thor. Avant d'aller voir Thor, on est passé se prendre un petit bubble tea, se manger une bubble gaufre salée. Et après, on est allé au cinéma et on a regardé Thor. Alors, moi, j'avais très très hâte de le voir parce que Thor, c'est Thor quoi. Il est magnifique, il est beau, c'est un dieu. Enfin, voilà, c'est mon personnage préféré dans les personnages masculins de chez Marvel. Donc, j'avais très très hâte et j'ai été très très déçue. Alors clairement, le seul truc qui m'a vraiment enjaillé dans le film, c'est les petites fesses de Chris Hemsworth. Mais bon, ça dure 10 secondes. Voilà, elles n'étaient pas floutées comme dans la bande-annonce. Mais en soi, en dehors de ça, à part le côté rigolade, à part le côté pêche, le film est sympa, on passe un bon moment, mais je trouve qu'il est trop tourné dans l'autodérision, trop tourné dans l'humour. Les premiers Thor étaient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus immersifs, et j'ai pas ressenti l'alchimie entre les personnages. Ouais, je sais pas où nous emmènent les derniers Marvel, mais c'est vrai que je suis pas convaincue. Mais bon, après on a quand même passé un bon moment et les effets spéciaux sont magnifiques, sauf les costumes. J'ai détesté les costumes, on aurait dit des costumes en plastique.
clairement, ça faisait pas sérieux. Mais en dehors de ça, bah, on a passé un bon moment. C'était beaucoup d'humour. Mais j'aurais préféré qu'il ne tourne pas le personnage autant en ridicule. Voilà, c'est vraiment mon gros reproche personnel. Et il y a un moustique qui traîne par là, qui vient pas me piquer. Voilà, après, du coup, on est rentré. Et au moment où on est rentré. Ah, t'as entendu le moustique, il était par là tout à l'heure. C'est vrai? T'es sûr que c'est un moustique? Oui. Mais bon, de toute façon, j'ai mis le ventilateur, hein, pourtant. Mais le ventilateur, c'est juste que ça pousse l'air où il y a le moustique qui est dedans. Ouais, bah je vais Ça le. empêchera pas de venir. Je vais le mettre sur moi. Donc, du coup, on est arrivé à la maison juste au moment où il tirait le feu d'artifice. Donc, je vous ai filmé tout ça. J'espère que vous apprécierez ces petites images. D'ailleurs, je vais vous mettre le feu d'artifice juste après. Comme ça, vous allez pouvoir en profiter. Moi, je l'ai trouvé très très chouette cette année. Bon, ça reste un feu d'artifice, mais bon. Plein de couleurs dans le ciel, c'est joli. Sur ce, je vous laisse. Je vais essayer de me plonger dans mes lectures. Je vais aller reprendre une douche. Ça va être ma deuxième douche de l'après-midi. Bah oui, parce qu'après ma séance de vélo, Jojo, elle dégoulinait. Mais voilà. Sur ce, bah du coup, comme je vous dis, j'arrête de bavarder. Je vais me laver et puis je vais lire. Hey, je vous retrouve, on est vendredi 15, il est bientôt 19h.
Journée tranquillou aujourd'hui, hormis le petit quotidien, les petites tâches ménagères, j'ai pas glandé grand-chose, j'avais une migraine qui m'a clouée au canapé. Donc j'ai mis un petit film pour m'accompagner dans mon glandage et j'ai regardé Persuasion sur Netflix, l'adaptation du roman de Jane Austen et j'ai adoré. Je n'avais jamais lu le roman, mais j'ai clairement, clairement envie de découvrir cette histoire. C'est une romance avec une histoire de famille, avec énormément de douceur, une héroïne qui est totalement différente des siens, qui ne se sent pas à sa place. Et on va suivre un petit peu ses pensées, son quotidien. Il y a énormément d'émotions qui transpirent d'elle. Et c'était beau. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, c'était beau. Après ça, pas grand chose d'original, mais c'est le genre d'histoire qui fait du bien. Et on a vraiment le petit style de l'aristocratie à l'époque et tout ça. C'est sympa. Franchement, c'est très très chouette. Donc hier, oui hier, j'ai terminé de lire I Will Not Love You de Alana Scott, publié chez Collection H. Donc c'est un roman qui était sorti il y a longtemps. Alors attendez. Alors, il faut savoir que ce roman, c'est la suite, enfin c'est le spin-off de celui-ci. Celui-ci, je l'ai pas lu et en fait, je savais pas. Pourtant, c'était marqué derrière la quatrième de couverture, mais j'ai pas lu. Mais en soi, en fait, ça spoil pas grand-chose de cette histoire. Je vous explique pourquoi. Dans celui-ci, on va suivre les parents de notre héroïne dans celui-ci. Ce qui fait que finalement, en fait, on suit notre héroïne et on a genre 2-3 passages où il y a 2-3 repas de famille. Mais voilà, après, on est dans de la romance, on se doute bien que les personnages, ils vont finir ensemble. Donc là-dessus, bon, bah, ça m'a pas gênée. Donc voilà, je préférais quand même vous le mentionner si jamais ce livre vous tenterait à un moment donné. Donc voilà, il est conseillé de lire lui avant. Mais si vous ne l'avez pas lu, qu'il ne vous tente pas, ou que vous avez lui et pas lui, bah en fait ça gêne en rien non plus. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Sinon, alors j'ai passé un bon moment en lecture, mais pour moi c'est pas une romance inoubliable. C'est une romance qui m'a fait passer un bon moment. J'ai beaucoup aimé le personnage féminin, j'ai beaucoup aimé le personnage masculin. On a des belles valeurs, on a des sujets forts qui vont toucher au handicap, qui vont toucher à la famille, au deuil, aux problèmes qui peuvent se poser dans les fêtes étudiantes. Voilà, on a toutes ces thématiques-là. On a aussi les thématiques bah, des rêves qui sont ruinés suite à nos parcours de vie, mais on a aussi beaucoup beaucoup de douceur parce que même si on a des sujets forts, on va suivre une romance qui était peut-être pas forcément bien partie avec deux personnes qu'ils ne veulent pas aimer, qui ne veulent pas tomber amoureux, mais en fait ça va être plus fort qu'eux, ils vont pas contrôler ce sentiment-là. Donc c'était vraiment vraiment très très chouette à ce niveau-là, c'était très tendre. On a un héros masculin qui est très attentionné et on a une héroïne qui est bien bien réfléchie et je la trouve très très mûre. Donc voilà, c'était agréable à suivre. On va suivre un petit peu bah, les sentiments naissants, l'acceptation de ceux-ci, leurs petites galères, leur passé, les sentiments qui les travaillent. On va vivre un petit peu tout ça dans ce récit. Moi, le seul truc que je reproche, c'est que, en fait, ça, je trouve qu'on va pas assez loin dans la psychologie. C'est une romance toute douce, mais on a des sujets très forts, et notamment, je vous spoile rien, parce qu'en fait, dans le résumé, il y a marqué « Jamais plus Jenny ne s'autorisera à tomber amoureuse, à avoir une relation avec un garçon, à laisser quelqu'un l'approcher. Car l'accident de moto ne lui a pas seulement volé son rêve de devenir danseuse, non, il lui a aussi volé son insouciance. » Donc, notre héroïne, elle a vécu un accident de moto qui a fait qu'elle est handicapée et qu'elle a une prothèse à la jambe suite à une amputation. Et pour moi, c'est quelque chose de très lourd. Il y a un traumatisme derrière cet accident et ce traumatisme est souligné mais pas développé. Et ça m'a gênée. Je pense qu'on aurait été plus dans la profondeur, plus dans la psychologie des personnages. J'aurais totalement adhéré et là oui, ça aurait pu en faire une romance inoubliable. Par contre, la plume d'Alana Scott est vraiment, vraiment incroyable. C'est pas la première fois que je la lis, c'est une auteure
Donc je sais que j'aime me plonger dans ses écrits, je ne suis pas déçue. Après voilà, c'est pas la romance du siècle, mais elle fait passer un bon moment et elle change les idées et ça c'est le principal. Ça se lit vraiment tout seul et si vous voulez lire sur la plage, c'est le genre de roman que je pourrais vous conseiller dans ces cas-là. Voilà pour ce qu'il en est de la lecture terminée. Je suis toujours dans ma lecture de Nevernight de J. Christophe. Donc là, il me reste la partie d'aujourd'hui à lire et la partie de demain. Demain, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire, alors je verrai si je la lis ce soir aussi, puis j'en discuterai avec les filles demain. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me mettre dans ce roman, à m'immerger. J'avais adoré le tome 1, j'avais adoré le tome 2. J'ai passé un trop trop bon moment avec les deux premiers tomes de la saga, mais là je sais pas, j'arrivais pas à rentrer dedans. Il y a beaucoup beaucoup de descriptions, on a beaucoup plus de scènes de fesses, et je trouve que ces scènes de fesses, elles apportent pas forcément grand-chose. Et il y a un personnage féminin, je vous dis pas lequel pour pas spoiler si vous connaissez pas la saga, mais qui m'irrite au plus haut point. Et il y a un personnage que j'aimerais voir plus mis en avant, que j'aime de tout mon cœur. Voilà, je vous en dis pas plus. Ceux qui ont été sur le Discord avec moi, on a à peu près tous le même ressenti concernant ces personnages-là. Et vous savez desquels je parle. Mais ouais. Donc franchement, là, sur la fin, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment prenant. J'aime beaucoup ce qui s'y passe. On a enfin l'action, on a enfin des réponses à certaines questions. Et il y en a d'autres qui restent en suspens. Mais bon, il nous reste encore un petit peu de lecture à faire. Mais le début est très très long. Et le début était beaucoup moins immersif. Après, il y a l'auteur qui a une autodérision de lui-même dans le roman, et c'est assez énorme. Ça m'a fait éclater de rire parce que il va parler en fait des chroniques de Nevernight, qui représentent un peu ces trois tomes, et il va s'auto-critiquer en fait en parlant des chroniques de Nevernight, et il va notamment parler de ses notes de bas de page qui sont interminables et faire des réflexions là-dessus, et c'était trop trop drôle. Voilà, donc pour ce qu'il en est de mes lectures papier. J'ai commencé Fake Crush, qui est un service presse de Célia Aden, qui est publié chez BMR. J'en suis à 23%, mais bon, c'est vrai que j'ai pas un rythme de lecture hyper folichon. J'ai du mal à me mettre dans mes lectures en ce moment. J'espère que ça va s'arranger. Il y a des semaines avec, des semaines sans, enfin voilà. Et donc, pour l'instant, on est en train de suivre un groupe d'amis avec un départ en vacances et un crush. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais je reviendrai vous en parler quand j'aurai avancé. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère du coup terminer un livre d'ici la fin de la semaine et pouvoir avancer dans ma palle pour développer un petit peu plus sur mes lectures. Everything is different now. Took a while to figure out who I'm meant to be. Everything is changing now. I'm getting older, feeling down. Stuck floating in between. I'm moving on and I don't know where I'm gonna go. But let me tell Hey, je vous retrouve en ce dimanche 17 juillet, il est presque 19h. Là je suis posée, en fait j'ai fait un petit peu de vélo cet après-midi avec mon nouveau vélo juste là derrière. Mes parents m'ont offert ce vélo pour mon anniversaire qui arrive début août et comme ça j'ai pu rendre le vélo à mon beau-père qui m'avait prêté et celui-ci est un peu plus adapté à ma morphologie. Donc voilà, c'est assez cool, je suis super contente parce que faire des balades à vélo en ce moment ça me fait du bien, ça me permet de m'isoler dans des endroits où il y a vraiment,
vraiment personne. Hier matin, j'ai fait une super balade. En fait, j'avais pas envie de rester à la maison. En plus, il y avait le père de Gauthier qui était à la maison, qui venait pour bricoler. On n'avait pas besoin d'être 50 dans la cuisine. Donc, Gauthier est resté avec son père bricoler. Puis moi, je me suis échappée en vélo. J'ai longé le long de l'Isère parce qu'en fait, on a la véloroute qui passe. Je vais essayer de vous montrer juste là, en fait. Et la véloroute, elle permet de faire Valence-Grenoble. Donc il y a vraiment de quoi faire. Hier, j'étais allée du côté de Tulin. Et puis aujourd'hui, je suis allée un peu plus loin que Voiron. Mais voilà. Mais tout sur la véloroute. Et en fait, comme il y a l'Isère aussi qui longe la véloroute, il y a plein d'endroits où on peut se poser. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour bouquiner. Concernant les bouquins, j'ai terminé de lire Nevernight. Bon, j'ai pas le bouquin avec moi puisque comme j'ai le sac à dos, le casque et tout ça. Je me suis pas trop chargée non plus, j'ai juste pris la liseuse et une BD que je n'ai pas lue d'ailleurs. Donc Nevernight, sentiment mitigé. Alors pourquoi je vous dis que la lecture a été mitigée? Parce que j'ai adoré le début du roman. Clairement, quand j'ai attaqué le livre la semaine dernière, je vous en ai parlé dans le vlog, j'étais vraiment très enjouée, très contente de retrouver cet univers. En plus, l'histoire reprenait vraiment là où on avait quitté Mia dans le tome 2, avec les révélations qui nous avaient totalement laissé sur le popotin. Et là, ce qui s'est passé, c'est que on reprend là où c'est hyper intéressant. On est vraiment, vraiment dans le truc. Et puis, plus on avance dans l'histoire et plus ça devient long. Et peut-être même un peu trop long, c'était pénible à lire, il y a des endroits où je me suis totalement ennuyée. Après il y a aussi beaucoup plus de scènes olé olé, c'était un petit peu dérangeant. Mais dans l'ensemble, c'était sympa. Alors les scènes olé olé, je trouvais qu'il y en avait plus que dans les tomes précédents et surtout qu'elles n'apportaient pas grand chose à l'histoire. Et puis on suit énormément un personnage que je n'aime pas. Voilà, c'est pas par rapport à son genre, par rapport à autre, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans le tome 1. Ce personnage, je ne le supporte pas et je ne comprends pas pourquoi le reste de l'histoire se passe ainsi. Après, on est dans un univers de dark fantasy, on est dans quelque chose de noir. Mais voilà, ce personnage je ne l'aime pas et il y en a un autre que j'adore et j'aurais vraiment aimé qu'on soit encore plus avec ces personnages là. Ceux qui ont lu le livre comprendront, je pense. Et ensuite la fin du roman par contre, elle était vraiment géniale, exceptionnelle, hyper rythmée, avec beaucoup de révélations. C'était intéressant parce que on avait vraiment les réponses à nos questions suite à tout ce qui touche aux divinités, sur les trois soleils, la non-nuit, sur les enténébrés. C'était vraiment vraiment super. Et la fin se termine d'une chouette façon, mais c'est vraiment le rythme du milieu du roman qui m'a totalement gênée, qui m'a perturbée et qui m'a empêchée d'apprécier cette histoire à sa juste valeur. Voilà pour ce qu'il en est de ma lecture de Nevernight. Après, ça reste une chouette trilogie, une trilogie que j'aime beaucoup. Le tome 1 et 2 ont été des coups de cœur. Le tome 1 et 2 ont un rythme de dingue, un rythme insoutenable. Et de toute manière, j'adore La Plume de Dieu Christophe. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais dans ce tome 3, j'ai adoré par contre l'autodérision de l'auteur. Il a une autodérision qui est assez énorme et qui m'a fait éclater de rire, surtout vers la fin du roman. Voilà pour ce qu'il en est. De mon côté, cet après-midi, j'ai lu 50% de Fake Crush de Célia Aden, là sur ma liseuse. Donc c'est une romance qui a lieu en vacances, où on suit une bande de potes qui vont arriver à Djerba, mais on va suivre notre héroïne Ina, une jeune femme qui n'est pas très bien dans sa peau parce qu'elle a peut-être un peu plus de forme que ce qu'elle aimerait. Et elle ne s'assume pas par rapport aux filles qui sont plus minces qu'elle. Et donc sa meilleure amie va lui organiser
en totale surprise, des vacances à Djerba. Elles devaient être que toutes les deux, puis non. Et puis en fait, ces vacances à Djerba sont en réalité organisées par une application de rencontre. Et pour éviter que tout le monde lui court après, quelqu'un qui va faire partie de sa bande d'amis, mais sans être vraiment de sa bande d'amis, si vous voulez, c'est une pièce rapportée de cette bande d'amis, va lui proposer d'être son faux crush afin qu'elle puisse vivre ses vacances tranquillement. Bien entendu, on est dans de la romance, je vous laisse deviner, pour l'instant j'aime beaucoup, c'est très doudou, il y a cette atmosphère vacances avec le jet ski, les activités nautiques, le petit côté balade, le petit côté fête, enfin c'est super chouette. Je reviendrai sûrement vous en parler la semaine prochaine quand j'aurai avancé. Je vais clôturer ce vlog ici, je pense qu'il est déjà bien assez long et puis j'aurai pas forcément grand chose à vous dire ce soir. J'ai encore une fois pas dégommé ma pile à lire, mais bon, je lis à mon rythme en ce moment et puis je fais aussi en fonction de mes envies parce que en ce moment c'est vraiment les balades en nature qui me font du bien et le fait de m'isoler toute seule, là j'ai personne autour de moi, il y a l'eau, il y a les arbres et en fait c'est ce qui me fait du bien en ce moment, donc voilà. Je m'écoute et puis je prends le soleil. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vos lectures se sont bien passées. N'hésitez pas à donner votre avis sur vos lectures en cours ou sur les lectures mentionnées dans ce vlog si vous les avez lues. Comme d'habitude, je suis ravie de lire vos commentaires. Et puis si vous n'avez pas quoi dire, un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.